régulièrement avec vous, Clémence. On parle de musique et aujourd'hui, on va encore se faire plaisir avec un vrai talent de la région. Et on pourra dire, la première fois, c'était sur France 3. Elle s'appelle comment, cette jeune fille que vous allez nous présenter? Elle s'appelle Jeannette Berger. Jeannette Berger, pour moi, c'est un peu une Alicia Keys qui nous vient de Mâcon. C'est ce qui m'a frappée donc, dans sa musique, hein, la première fois que je l'ai entendue. La soul, le gospel. Elle est sur scène avec des choristes. C'est un vrai talent. C'est une pianiste, on le voit. Hein. Oui. Elle est super belle. Et puis, évidemment, son piano. Donc, elle est pianiste. Tout ça m'a transportée un peu dans les clubs à New York, les clubs de jazz. C'est bien, c'est vous qui payez le vol. Hein. Oui, voilà, parfait. Regardez, on part à New York ce matin. Okay. Et puis, donc, Alicia Keys, oui, parce qu'elle-même l'avoue, dans l'interview qu'elle a donnée à Marilyn Barat dans Studio 3, elle est fan inconditionnelle de la chanteuse américaine. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas vous, Christophe, mais vous faites du vélo en musique, Christophe? Non. Parce qu'il faut attendre. Enfin, non. Faut être prudent. Non, justement, il ne faut pas. Alors, ça, c'est interdit. Vous savez que c'est interdit à vélo. C'est interdit. Vous avez un accident à vélo avec vos écouteurs, je fais une parenthèse. Ouais. Avec vos écouteurs, l'assureur vous dit dommage pour vous. Exactement. Et très peu de gens le savent. Hein. Très peu de gens le savent. Voilà, parenthèse refermée. Vous voyez, je ne savais pas. Voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Tiens, pour la peine, on va écouter un extrait, non? Alors, c'est parti, on va écouter un extrait qui s'appelle Tears and Pain. Ok, you speak English perfectly. Yes, les larmes et la douleur. C'est parti. Vraie diva de la soul. Hein. Elle est belle, elle est talentueuse. Elle s'appelle Jeannette Berger. Oui, et puis oui, elle a tout pour devenir une grande diva de la soul, de la chanson. Elle a commencé le piano très jeune. En fait, elle raconte qu'il y avait un piano chez sa grand-mère, qu'elle était très attirée par cet instrument. Alors, elle a tanné ses parents pour avoir des cours de piano. Ils ont bien fait. Elle est tombée sur un prof qui l'a passionnée pour cet instrument. Mmh. Et puis, voilà, elle a développé toute sa composition. En revanche, pour la chanson, elle est complètement autodidacte. Elle n'a jamais pris de cours. Donc, elle est d'autant plus... talentueuse. Voilà. Et par contre, pour en arriver là, elle a bossé tout le répertoire de Ray Charles. Oh ouais. Ah non, mais attendez, mais Ray Charles, j'adore. Vous savez que c'est... D'ailleurs, un Français qui, sur la fin de sa vie, produisait Ray Charles. C'était un serrurier qui avait un petit peu d'argent pour ne rien se le cacher. N'est-ce pas? Il avait trouvé la clé du bonheur, je ne sais pas, la clé de la réussite. Bref, c'est lui qui le produisait sur la fin de sa vie, quand il était au fond du fond. Et puis, pouf, il est remonté. Preuve que c'est la dure loi du showbiz, on monte aussi vite qu'on redescend. Je lui souhaite de monter au 7e ciel, hein, parce qu'elle est top, hein, Jeannette. Elle est super chouette, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai tout de suite été dans l'émotion quand je l'ai entendue. Bon, j'adore Alicia Keys, j'adore voilà, toutes les Maria Carey, les Whitney Houston. Donc vraiment, elle est dans cette lignée-là de toutes les divas de la soul et du R&B. On l'écoute, Christophe, vous en voulez encore un petit peu? Absolument. Allez, oui. C'est stop ou encore? Ça sera alors, encore. Alors, c'est parti avec un nouvel extrait qui s'appelle « Shine ». C'est parti. You know where I come from.
Jeannette Berger. Moi, j'ai gardé le rythme. On peut bien sûr retrouver le live, les interviews sur la chaîne YouTube de France 3. Sur la chaîne YouTube, puisqu'elle est déjà passée chez nous au mois de juin. Donc vous avez les deux lives et l'interview sur la chaîne YouTube de France 3, Bourgogne-Franche-Comté. Elle a sorti un album, Jeannette, en 2018, qui s'appelle « In My Mind ». Voilà, et puis évidemment, toutes ces chansons parlent d'amour, d'amour triste, hein, la plupart du temps, comme toutes souvent les chansons ça, de souvent de avec soul. L'amour, n'est-ce pas? Il y a du bonheur, il y a un petit peu de tristesse. C'est ça. On va garder que le bonheur, nous. Oui, et puis dans cette chanson-là, dans Shine, ça me touche particulièrement parce qu'elle elle nous explique que nous, les femmes, voilà, on en supporte beaucoup, hein, de la part de vous, les hommes. Non, voilà. Attention à ce que vous dites parce que vous n'êtes pas en force ce matin. C'est pas faux. Mais... Christophe, attention, Christophe. Voilà, allez. Mais les hommes, il faut nous laisser briller, nous, les femmes. Il faut nous laisser... Shine bright, like a diamond. Shine bien, très bien. Voilà. Et puis Jeannette, vous pourrez la retrouver ce soir. Elle est donc à la maison du Grand Site à Solutré-Pouillé. Vous avez toutes les infos sur sa page. Pas très loin de la roche de Solutré pour ceux qui cherchent en Saône-et-Loire. Voilà. Voilà. Ok, parfait. On va faire un petit tour sur ses écrans connectés, sur sa tablette. On va flirter sur le net. On tape hashtag Studio 3.